Toi, pour un bout d'origine, claque bien. Bon, là on vient de récupérer la dernière pièce. Déjà. Salut les gars. Putain, ça fait tellement longtemps. C'est quoi ce scoot, frère? Ah, j'ai vu qu'il avait 4 roues. Les ferrous, ils sont allés loin quand même là. Aïe. Oh là là. Bon, là on va chez le poteau là pour remonter sa moto. Ça rime, c'est la base. Mais avant d'aller chez le poteau, on va chercher un autre poteau. On va chercher que des poteaux aujourd'hui. On va se retrouver à 20 poteaux, laisse tomber. Bon gros poteau là. Oui, bonjour, est-ce que Valentin est là? Ah, je sais pas, j'ai pas été ouvert sa chambre, c'est qui? Ah, c'est un ami de Valentin, c'est pour le prendre en moto. Ouais, j'arrive, attends, il est réveillé, je vais le voir. Ah, merci beaucoup. Eh ouais, de ouf. Ah, j'espère que t'as préparé le petit-déj, hein, j'ai la dalle. Hein. Attends, y'a combien de temps de chez toi, enfin de chez Val à chez toi? Vas-y. Vas-y, ben en 5 minutes on est chez toi. Non, il va pas tarder là. Pire qu'une meuf, hein. Bon, ben là on a récupéré le deuxième colis là. Bon, salut tout le monde, Spyka. Là, on est avec les deux genoux là. Et je vais vous montrer vos têtes parce que vous êtes dégueulasses. Claqué au sol. Là, du coup, c'est la moto accidentée du frérot. Ah, moi, ça a déjà rien que là. Ah, ouais, ça a plus rien. Et y a plus rien qui va, y a tout qui. Bah, c'est les frontés dans ce côté. Ah, ouais, y a tout qui est mort quoi. Y a ça, c'est foutu. Non, ça, on va les garder. Non, ça, juste détaché pour faire quelque chose. Bon, bah, ça, on va les garder. Y a le câble d'extérieur qui a pris tarif. Ça, j'en ai commandé un autre. Il y a le, oh, le système Behringer, ben, il a pris tarif aussi. Ah, il y a les poignées, il y a le. Ah, oh ouais, le guidon il a pris, mais. Ah, ouais, en fait c'est. Ah, d'accord. C'est le support là qui est compliqué. Ah, ben là, ouais, ben. Bah. Ah, ouais. Les vis ils ont pété dedans. Ah, ben ça c'est pas. Ouais, c'est pas ouf ça. Heureusement que j'avais les. Comment ça bizarre les, les tampons. Les tampons, ouais. Ah, ouais, ils ont pris, ils ont donc, bien. Le suite derrière il a sauté, il a pété carrément. Pour être pour ça il faut y aller. Ah, ouais. Ça c'est. Ah ouais, ça c'est bien, ça s'est mis comme ça. Ah non, même pas. Je sais pas. Ça a même pas touché, il est même pas. Ça le pot ici, là, il a frotté. Ah, il a frotté et il a poké surtout. On a pas mal de taf. Jusqu'à la 180 heures, 190 même. Je crois. Ouais. Bon, le compteur aussi, il a pris. Hein. Et mon cerveau il marche. Elle a 190 heures, ouais, du coup, on vitesse de pointe, tu prends combien? Ah, mais j'ai commandé une démultiplication encore plus longue. Alors là, je suis à 14,47. Ouais. J'ai commandé une couronne en 45. D'accord. Pour essayer de prendre un peu plus. Parce que là, je stagnais à 140, 150. C'est pas vraiment ce qu'on recherche dans le sport mode, mais bon, quand tu roules avec des gens qui veulent tirer jusqu'à 180, moi je suis loin derrière. C'est pas faux. Aïe. Bon, bah y'a du taf, hein. Là, j'ai des fils, j'ai des trucs qui sont arrachés. Oh. Bref. Allez, on va commencer à faire ça. Allez, vamos. Bon, ben là on a démonté déjà le réservoir, protège-main. Là on va encore démonter le guidon. Ben, ça c'est toutes les pièces qu'on a enlevées, ça, le pot d'échappement, la selle, réservoir, truc pour le guidon là. Là on va démonter quoi? Là ben, je pense à démonter le haut moteur pour faire piston. Ah, faudrait mettre la batterie en charge, j'ai pris le truc parce que 3 mois elle va être déchargée complètement. Vas-y, allez. C'est parti. Bah tu rentres chez moi, tu trouves une prise, ouais. T'as le chargeur ici là. Tu mets bien, ouais, c'est bon. Tu mets bien le plus sur le plus, le moins sur le moins et tu branches. C'est n'importe quoi la tête de ma mère. La vie de ma mère c'est n'importe quoi.
cher, tu vois. Mais t'accélères, c'est des détonations, frère. Mais avec ça, frère, si y a une voiture qui te coupe la route, je comprends pas, frère, elle a pas d'oreille, elle est sourde. Hein. La tête de ma mère, c'est incroyable. C'est pas humain, je comprends pas, c'est pas humain ça. Merde. C'est pas humain de. C'est pas. C'est. Là, cette moto, elle compte les lois de la physique au niveau du bruit là. J'ai du mal avec les vitesses, hein, putain. Ça se voit que ça fait 3 mois que je pas de moto. Petit clignotant, parce que oui, il y a des clignotants sur une Juke, hein, contrairement à mon 300 de merde. Ok, non. Moi qui disais un 90 c'est pas puissant, Zebi, si c'est légèrement raisonnable. On t'a fait un boucan. C'est pas hélin, comme on dit dans le milieu. Run. Ça me regarde de partout, Zebi. Je n'ai plus l'habitude de mettre des clignotants. Elle marche la pute quand même. Elle marche la salope. Non, elle part pas en 3. Et là ça fait trop verte, je vais pas lui arroser dans la gueule quand même. À bas régime, elle fait un bordel, la tête de ma mère. On sort le genou, non je sors en jogging. C'est pas, elle est très très joueuse. Elle a envie, tu vois, elle a envie que tu lui mettes dans le cul et que tu lui fasses du sale. Mais là, elle ressemble clairement à rien la moto. Il y a plus rien. Mais quand je te dis plus rien frérot, c'est get toutes les pièces. Là on va nettoyer le haut moteur avec là où il y a le piston et tout. Ça c'est toutes les pièces qu'on a enlevées ça. Ah ouais, hein, ça en fait hein. Mama. Bon, qui veut quoi? À vendre. Vous contactez le prioritaire, le propriétaire. Eh ben. Oula. Là t'as le Rottweiler qui est en train de gueuler là. Attention. C'est quoi cette petite tige là? Ça c'est la commande de Val, je crois. Eh ben il y a plus rien. Et après t'as celle-là, elle est belle hein. Ah oui hein. Elle est très très belle celle-là hein. Ouais du coup ça, ouais. Ton petit je sais pas comment ça s'appelle. Ça tu le mets comme ça, okay. Ou comme ça. Ah tu histoire mets, que ça. Tu le mets jamais comme ça. D'accord. Si tu le mets comme ça, vu que ton piston il fait comme ça. Ouais. Monte et descend. Avec la force il va s'aplatir. Ouais. Et il va sauter. Et du coup ça peut te niquer quoi. Ça va faire de la merde dans le moteur. Du coup bah, toujours mettre comme ça. C'est la petite petite astuce voilà. En professionnel enseigné chez KTM. En tant que beau expert quoi. Bon tu vois je suis en train déjà de galérer. Bon ça a rien de fini parce que je vais galérer pendant 120 ans. Non mais je m'en fous. Ah tu veux me voir galérer. Bah c'est parti pour faire ça pendant 10 ans. Et de 1. Ouais je vois ça dans les vidéos. Ils font ça en 2-2 tu vois. Un amateur. Là je suis en professionnel frère, arrête. Je te dis, je fais ça depuis 120 ans chez. Oh. Mais bon, ils font chier, pourquoi ils mettent pas des trucs avec. Vas-y là. 3, 2, 1. Voilà, ouais. Eh bien non. Petit piston, regarde. Je l'ai rayé. Oh, t'es déjà ouais. Rayé, mais je vais te faire un bon. Petit rodage. Hop là. J'ai retiré l'ancienne courroie, je vais mettre celle-là. Là. Elle est plus grande ou plus petite celle-là? Elle est plus petite. Celle-là est plus petite. Ok. Qu'est-ce que tu me fais? Je mets du liquide vaisselle. Ah bah ouais. La belle poignée. Oh ouais, t'en as mis du liquide vaisselle. Du coup toi ça rentre? Eh ben moi,
Ça doit rentrer, mais ça rentre pas. Ah. Oh là, il y va là. Ah oui. Vas-y encore. Encore. Ah, t'as la petite goutte là. Vas-y, t'as la petite goutte là. Vamos, on va mettre ça. Oh, elle est neuve, elle est neuve. Neuve la pièce. Ah, ça claque. Ça claque. Oh là là, regarde-moi ça là. Bon Big Mac. Bon McDonald's. Ah, ça c'est à moi là-bas. Ah ouais, ouais, ouais. Là-bas ? Non, ouais, c'est à moi. Mais quoi, elles ont juste amené, elles sont parties ? Ouais, elles sont gratos en plus, c'est pas mal. Mais Ah ouais. C'est gentil les demoiselles de nos jours. Ah ouais, les dames de nos jours. Regarde-moi le avec son G. Okay. Oh, c'est une fontaine que t'as, frérot. Allez. C'est la vitesse ou par les sangs dans le carburateur. Oh putain de merde. Écoute. Bon, attends, on va couper la musique parce que merci YouTube, je vais te rémunérer, bien sûr, gagner un maximum de thunes, les gars. Je rigole. Là, frérot, regarde-moi ça, comment elle avance de ouf. Là, je vais mettre ça en bas. Et là, on a mis le réservoir, on est en train de mettre les carénages. Après, il faudra juste fixer le brossion arrière, hein, ça. La bavette, c'est la bavette. En fait. C'est la bavette entière. Ok. On a remis la roue, nouvelle chaîne, nouvelle courroie. Couronne. Couronne ? C'est quoi la courroie ? Y'a pas de courroie là-dessus. La courroie de distribution. T'es con, ça, les voitures, ça. Eh, je suis con. Du coup, là, on a remis la chaîne et la couronne. Le pignon, on n'a pas pu le changer parce que c'était trop galère. Non, c'est parce que j'ai acheté un 15 au lieu d'un 14. Là, oui, mais même, on n'a pas réussi à l'enlever. Ouais, et le 15, il passe pas parce qu'il est trop gros, le pignon. Ouais, donc en fait. Ça tirera beaucoup trop court en 15-45, ça va être n'importe quoi. Donc voilà. Ouais. Il va pas réussir à lever, il va être frustré. C'est ça. On a remis toutes ces petites merdes là, accélérateur qu'il faut genre visser, béringer. On a remis le compteur aussi, l'embrayage. Ah, l'embrayage, tu l'as bien serré. Hein. Ouais. Ok, nickel. Est-ce que t'as bien rebranché l'essence ? Ouais, juste, je vais graisser le filtre air. Vas-y. Bon, là, déjà, elle a beaucoup plus de gueule, frérot. Ah, moi, la bête. Bon, après, on va arranger tout ça. Genre, ça, on va bien le caler derrière. Ça aussi. Wow, wow, wow. Ça va partir le petit refroidissement dans le petit truc. Ça va pas visser ça. Oh putain, vous êtes vraiment des apprentis mécaniciens. Non mais attends, tu nous as dit de pas visser encore, hein. Juste histoire que ça tienne. Eh ben, hé, hé, hé. Vas-y, bah visse-le là. C'est carré 8. Ouais. Là, c'est une technique faite par les plus grands mécanos. Oh là, oh, oh. Oh la fumée. Ah, oh, le chien est pas là. Bon ben, là on chasse toute l'air. Attends, je remets un peu de liquide. Attends, je te passe ça. Ouais, pour moi c'est de l'air qui rentre, c'est plus ça fini. Ah là, j'imagine pas la hâte que t'as là.